m'appelle Jean-François Boulet d'Équipement Lapierre. Je veux aujourd'hui vous parler d'une pompe à vide que Équipement Lapierre, dont l'Équipement Lapierre fait la distribution. La pompe à vide est la pompe fabriquée par une compagnie allemande qui s'appelle Bosch. La particularité des pompes à vide Bosch qui sont distribuées chez Équipement Lapierre est qu'elles sont à fonctionnement à sec. C'est une pompe qui est à bec rotatif et qui a comme particularité de fonctionner sans huile ou sans eau de refroidissement. C'est une pompe qui est sans aucune friction. Donc, en n'ayant pas de friction, il y a très peu d'échauffement. Et puis, cette pompe-là a comme caractéristique que le moteur va faire tourner un ventilateur. Et puis, il y a une prise d'air qui est à l'extrémité ici de la pompe par laquelle l'air va être forcé via la ventilation. Et puis, il y a de l'air qui va circuler tout autour du bâti de la pompe pour la refroidir. Donc, c'est de cette manière-là que cette pompe-là est refroidie. C'est une pompe aussi qui peut monter en intensité de vide jusqu'à un niveau de 28.4 selon les modèles. Cette pompe-là est disponible en quatre grosseurs différentes. 30 pieds cubes minute, 50 pieds cubes minute, 80 pieds cubes minute et 100 pieds cubes minute. Ces pompes-là sont disponibles avec deux types de moteurs, deux types de motorisation. Des moteurs réguliers à simple phase. Ces moteurs simple phase-là, disponibles selon les modèles en 5 HP, 7.5 HP et 10 HP, peuvent fonctionner comme un système conventionnel, c'est-à-dire en étant géré par un démarreur magnétique auquel on peut greffer un thermostat pour le départ, une trappe d'humidité pour l'arrêt. Ce que vous voyez ici est différent puisqu'on parle ici d'une pompe qui fonctionne avec un moteur triphasé. Le moteur triphasé a comme particularité de pouvoir varier sa vitesse d'opération. Ce qui rend le système intéressant, c'est que la variation de vitesse va être en fonction des pertes de charge que vous avez dans votre système en forêt. Donc cette pompe-là va être à vitesse qui va s'ajuster selon la demande. Donc, on peut dire que moins il y aura de fuite en forêt, et plus la pompe va ralentir. Cette pompe-là, donc, elle est gérée par ce qu'on appelle une drive, donc un contrôle de moteur, c'est ni plus ni moins ce cerveau-là qui gère la vitesse de rotation de la pompe. Je vais le mettre en marche ici. Vitesse maximale au départ. Le système à l'arrière va combattre le vide, faire le vide à l'intérieur du système en forêt. Et là, on voit déjà que la pompe va commencer à ralentir, puisque ce qu'on va demander ici au système, à la drive, c'est un ajustement simplement avec un potentiomètre, avec un volume. Et puis, c'est ce qui va déterminer notre intensité de vide. Et puis, on vise une intensité X qu'on va déterminer jusqu'à 26, 27, 27,5. Et la révolution du moteur va s'ajuster en fonction de la demande. Cette demande-là est lue par un appareil qu'on voit sur le dessus ici du manifold, qui est un capteur de pression, un capteur de vacuum. Et c'est ce qui va donner l'information ici à la drive pour pouvoir gérer la vitesse de rotation. On peut dire que ce type de pompe-là, avec une drive, vous permet de savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe dans votre érablière. À savoir, vitesse de rotation élevée, vous avez des fuites. Vitesse de rotation plus lente, il y a moins de fuites. Si on voit le système varier, bien entendu, on est dans un hangar. Il n'y a pas d'érable en arrière, on a 5 relâcheurs qui sont accrochés, si on veut, sur cette pompe-là. Donc, on peut voir vraiment le fonctionnement, variation de vitesse de rotation. Ce système-là aussi permet de pouvoir lire en direct l'ampérage consommé. Et il y a un lien direct aussi entre la vitesse de rotation et la consommation électrique. Moins la pompe, plus la pompe va être lente, moins elle va tirer consommer l'énergie. Donc, une alternative aux pompes
traditionnelle refroidie à l'eau ou refroidie à l'huile, une pompe sèche, exemple de pollution, qui va nécessiter une lubrification, je dirais, aux 75 à 100 heures, qui va être faite à l'aide ici d'une petite valve de drain ou une petite valve d'entrée, par laquelle on va mettre une quantité entre 15 et 20 ml d'huile à transmission automatique, tout simplement pour lubrifier l'intérieur, les crochets rotatifs et l'intérieur de la pompe. On recommande sur l'installation de chaque pompe bouche l'utilisation d'une trappe d'humidité de très haute qualité. Ici, pour la démo, on voit qu'il y a une trappe Bernard qui est utilisée. Et ici, on a simulé un peu une noyade de relâcheur. Et puis, on voit graduellement ici la tige de du flottant qui est à l'intérieur qui va descendre. Donc, ça, c'est une protection. S'il y a une noyade de relâcheur, il y a un arrêt automatique de la pompe à vide qui se fait. Et puis, cette trappe d'humidité Bernard-là a aussi comme particularité de ramasser les particules les plus fines possible pour éviter toute possibilité qu'il monte du sucre à la pompe à vide. Donc voilà, vous allez voir d'ici quelques secondes, la pompe ici va se remettre en marche, étant donné que le système est tranquillement en train de se drainer là, après la noyade. Donc arrêt automatique et aussi départ automatique du système qui va se remettre en marche. Comme vous pouvez voir, les pompes bouches peuvent atteindre des niveaux de vide très élevés, de l'ordre de 27,5 de Beckler. Et votre ajustement ici va être fait en fonction de ce que vous désirez sur le cadrage.